j'imaginais bien que j'allais retourner là-bas. Du coup, deux points de compétence. Ah, ce sont les nouvelles capacités suite à la mage. Putain, comestible. Ouais. C'est vrai que j'ai pas pris les. De récupérer des flèches sur les archers plus élevés. Pointe de puissance. Ok, il y a un truc sur, par rapport au bateau. Donc du coup, j'étais parti pour... Il y a une barre de rage supplémentaire. J'ai pris ici. Point de la dernière chance au certain niveau critique. Ah oui, d'accord. Ça. Je suis soigné automatiquement, donc je peux mourir entre guillemets une fois par combat. Si votre assassin est à niveau critique durant un conflit, tout ce qui vous entoure semble se déplacer plus lentement. Ah non! Ok. Ah si j'ai ça, je fais le ralenti. Ah, je pensais que c'était un truc qui me soigne automatiquement. Une fois toutes les X temps. Mais ce n'est point ça. Bon, on va aller valider la quête. C'est ici que je vais faire une clépêche. Non décoratif. Ok. C'est le truc qui va se transformer. Ah non, c'est le truc qui est là. Je vais dire, je suis récompense de. Trophée de mort. Ok. De façon symétrique. Tiens. Allez. Bonjour, Eivor. Nous sommes alliés aux Danois du Grand Breacher. Leur Jarlskona, Soma, a prêté serment. Bien joué, Eivor. Ces premières réussites vont nous être bénéfiques. Oui, et de plus d'une manière. Birna, l'une des meilleures guerrières de Soma, nous a offert sa lame. C'est une combattante redoutable, et une femme agréable. Elle se sentira vite chez elle ici. Ravie de sa venue, alors. Beau travail. Engagement obtenu. Eivor, un point important. Quelqu'un s'est installé dehors. Un marchand, je crois. À l'occasion, demande-lui ce qu'il fait ici. Il a l'air de représenter une vaste guilde. Le regard des enfants ou les enfants sans regard. Les enfants sans regard. Non, ce n'est sûrement pas ça. Demande-lui. Ok, je pense que. Faut choisir une nouvelle zone. J'aimerais voir la carte des alliances. Bon, je peux pas choisir autre chose, c'est ça. Parle-moi du Leicestershire. J'aimerais bientôt rejoindre Sigurd. Il s'est rendu dans un bourg du nom de Repton afin de rencontrer Ubbe et Ivar Ragnarsson. D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercy, dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. Je ne vais pas les faire attendre.
Bien, je vais avertir Sigurd et les Ragnarsson que tu viens apporter ton aide. À ta place, j'irai en bateau. Repton se trouve assez loin au nord sur le fleuve Trent. Mais je vais m'occuper de la ville avant quand même. Parler au marchand itinérant. Ah, je peux m'asseoir ici? Merde. Interagir. Ah oui, je peux vraiment m'asseoir ici. C'est un honneur de te voir, Eivor. Dis-moi, quel est ton métier? Quoi que tu puisses désirer pour ton navire, mon mari et moi serons ravis de t'aider. Et nous avons l'œil pour ce genre de choses. Mais pour l'instant, ce qui presse, c'est la construction d'un endroit approprié. Occupe-t'en sans tarder, d'accord? Je pars. Porte-toi bien. Au revoir, Eivor. Ah, on va voir la recette. Ok. Hey, bonjour! Un nouveau client. Que je le sois ou pas, c'est à moi que tu as affaire. Ranvi dit que vous êtes des marchands. Ah, bonjour, bonjour! C'est toi le chef de ce campement si animé? Nous venons de la part des Mille Regards, des vendeurs de marchandises peu courantes et de trésors exotiques venant de tous les coins du monde. S'il te faut quelque chose, nous l'avons. Et si nous ne l'avons pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Telle est notre devise. Je vois. Et ce gamin est avec toi? Un gamin? Gamin? Gamin. Mon ami, tu as devant toi le maître des Mille Regards, le dirigeant de notre guilde. Une légende! Un héros de notre peuple, et le plus riche marchand à l'ouest de l'Indus. Je te présente Reda. Il parle de toi? Eh oui, Eivor, ami des loups. C'est un plaisir de faire enfin ta connaissance. Comment se fait-il que tu me connaisses? Les mille regards ont aussi mille oreilles, et les nouvelles vont vite. Et que puis-je faire pour toi? Ou toi pour moi? C'est très simple. Contre une modique participation, je peux te mettre en relation avec un marché clandestin qui s'étend des dunes d'Égypte aux landes d'Angleterre. Quel genre de participation? Elle varie selon l'article, mais il y a une légère contrainte. Sur ce marché, tout se paie en opale. Intéressant. Elle a une teinte très étrange. Je peux la prendre? Tu peux la prendre et la garder, Eivor. Reda te l'offre pour te remercier de ton immense hospitalité. Maintenant, regarde, découvre les marchandises que je te propose. Ok. Temporaire. C'est quoi encore beau à survécu? C'est de la décoration, ok. Pas uniquement. Ok. On est combien? 57. Section hebdomadaire, section quotidienne. Rien pour l'instant, mais peu importe. Mon inventaire change chaque jour. Tu trouveras bientôt ton bonheur. Puisque nous sommes maintenant amis, cela fait aussi de toi un ami des mille regards. Mmh. Et qu'est-ce que ça change? Observe ma tenue, regarde mon écharpe. Au fil de tes voyages, tu rencontreras nombre de mes associés vêtus de la même manière. Ce sont mes gens, mes regards. Ils t'aideront à commercer ou à remplir certains contrats. Prends leur service et tu toucheras une belle somme. Je serai même enclin à te remercier moi-même, c'est pour dire. Voilà une offre intéressante. Heureux de l'entendre. Maintenant, pardonne-moi, mais mon apprenti doit s'occuper d'une tente. Vous allez rester quelque temps, j'imagine. Oh oui, et tu n'as pas à me remercier. C'est un honneur pour nous de nous installer ici. Bonne journée à toi. Ok, plus 50 opales. Ah oui. Ah non, ok, c'est ce qu'il m'avait donné. Nouvelle quête, viking à louer. C'est toi qui peux me faire une canne à pêche? Qu'as-tu à me proposer aujourd'hui? Tout ce que je fabrique est de qualité. Mais là, on atteint des sommets. Modifier l'apparence. Oui, bah ça je vais comprendre avec le...
Ah, c'est que des objets que je n'ai pas. Oh. Ok, c'est quoi le truc du petit point là? Non, je sais pas. Ok, donc ça c'est que de l'amélioration. Je peux facilement te trouver ça. Mm-hmm. Déclasser un... Ah, déclasser un équipement? Non. Ok. Modifier l'apparence. J'imagine que c'est l'apparence qu'il faut acheter. Je peux modifier avec un autre truc que je possède, j'imagine. Bref. Toi, tu sais ce qu'est la qualité. Tu as besoin de rien d'autre? Je dois partir. À bientôt. Ok, donc c'est pas lui qui va faire une canne à pêche, visiblement. Ok. Servir la lumière, oui. Il me demandait de faire. Voilà, c'est ça. Pour la guide des assassins. Oh, bah j'ai ce qu'il faut. L'arme. Bureau de ce. Bonhomme, ici, d'accord. Campement. Nouvelle opportunité. Ce lieu sera parfait pour mon travail, Eivor. Merci. De rien. Ma foi, si ton travail doit nous être utile, autant veiller à ce que tu puisses le faire dans de bonnes conditions. Je pense que oui. Nous avons un ennemi commun qui a profondément planté ses griffes en Angleterre. Élimine ces gens là où ils sont les plus forts, et tu auras beaucoup plus de facilité à nouer des alliances. Ils agissent désormais librement à Lunden. Si tu réussis Lunden. À les chasser de cette ville, on t'en sera reconnaissant. Je vais parler de ton idée à Ranvi. On verra ce qu'elle en pense. Bien. Mais auparavant, il y a autre chose. Un cadeau que j'aimerais te faire. Un cadeau? Je ne peux pas te le montrer ici. Tu veux bien m'accompagner? Oui. J'accepte, je te suis. Je sens comme un poids dans ta respiration, Altam. Ta blessure te trouble-t-elle encore? Oui, j'en ai peur. J'ai une douleur dans la poitrine contre laquelle je n'ai pas de remède. Prends du repos. Tant que ton esprit demeurera vif, tu te remettras. Naturellement. Mais je répugne à déplaire à mon mentor. Tu risquerais ta santé, ta vie même, pour plaire à Basim. J'avoue ne pas comprendre. Je ne te demande pas de comprendre. À notre arrivée, j'ai remarqué l'ombre d'un soupçon dans ton regard. Un doute. Une méfiance. C'est une question? Non. Une simple observation. Es-tu en état de diriger ce bateau? Oui. Ne t'en fais pas. Seuls les efforts prolongés m'épuisent. Je me fatigue rapidement. Ouais, écoute ça. Et quel est ce cadeau que tu veux m'offrir? Il ne vient pas de moi. Il s'agit de quelque chose que tu dois t'offrir toi-même. Encore des mystères. On s'amuse avec toi. Bon, je vais le dire autrement. Ce cadeau ne s'offre pas plus qu'il ne se reçoit. C'est un mode de vie. De plus en plus drôle. Il sera plus facile de te montrer que de le décrire. Alors je vais patienter. Pardonne cette facétie. Nous appelons ce cadeau le sceau de la foi. Ah. C'est l'un des rites les plus sacrés de la confrérie. Ce n'est pas quelque chose que nous utilisons contre nos ennemis, mais une manière de forger notre résolution. Comme tes méditations, cela recentre notre esprit, affermit nos mains, et chasse la peur de notre cœur. Et de manière plus pratique, cela facilite nos déplacements, qu'il s'agisse de fuir ou d'être discret. Tu parles d'un saut, mais nous grimpons une hauteur assez raide. Et voilà encore. L'ombre du doute. Nous y sommes presque. Notre destination se trouve là-bas.
Toi, je te soupçonne de vouloir me jeter de cette falaise. Est-ce que c'est ça? Dis-moi au moins si je suis sur la bonne voie. Et quoi? Gâcher la surprise? Pour exécuter le sceau de la foi, tu dois t'abandonner à quelque chose de plus grand. Les dieux? Non, toi-même. Embrasse l'espoir que la mort ne viendra pas avant de t'y être préparé. Et si tu y crois, toute peur s'évanouira. Notre mort est déjà tissée dans la trame qui compose le monde. Craindre une telle vérité serait une perte de temps et de larmes. Bien. Alors ton esprit est déjà prêt pour cette leçon. À mon signal, tu me suivras. Repose-toi sur ta foi, ta force, et prends ton envol. Tu veux donc que je saute? Et d'ici? Oui. Plutôt me laisser pousser des ailes et m'envoler. Merci pour ta leçon, mais... Attends. Et regarde. Haïta! Haïta! Espèce de fou! Est-ce que tu t'es fait mal? Tu vois? Ma foi a été plus forte que ma peur. Les feuilles et l'humus ont surtout amorti ta chute. Eivor, voilà un aspect que je ne te connaissais pas. Cesse de nourrir ta peur. Domine-la. Ma mort m'est apparue dans une vision. Et ce n'était... Le feu de saut. Une chute parfaite. Qu'en as-tu pensé? Je disais vrai. De la folie et de l'ardeur. Et la peur en a été chassée. Un cadeau à moi-même. Je comprends maintenant. Merci de m'avoir montré le chemin. Je t'en prie. Et merci à toi, Eivor, de m'avoir écouté. Tu as qualifié ce sceau de la foi de rite secret. Ceux qu'on ne voit pas le pratiquent-ils tous? À ma connaissance, oui. C'est un rite d'initiation qui date d'un peu avant la naissance du Jésus des chrétiens. Est-ce que tu espères m'initier? J'essaierais si je pensais que tu désires nous rejoindre. Mais ce n'est pas ma tâche en Angleterre. Basim et moi traquons une plus grosse proie. L'Ordre des Anciens. Oui. Tu te souviens du médaillon que tu as arraché du cadavre de Kyotve? C'est son symbole. L'Ordre constitue un fléau que nous espérons éviter. Il agit en secret. Mais son but est de régner sur le monde, pas de le libérer de chaînes artificielles. Le désir de régner n'est pas propre à cet Ordre. Sigurd et moi voulons aussi un territoire qui soit à nous. Et l'honneur qui l'accompagne. Ne vous compare pas à ces gens. L'Ordre est dépourvu d'honneur, de principes, d'humanité même. Il est pourtant assis sur de nombreux trônes d'Angleterre. Si tu cherches à pacifier cette contrée au profit de ton clan... Il est peut-être alors dans mon intérêt de t'aider. Je comprends. Tu cherches les alliances. Nous voulons éliminer la gangrène dont souffre l'Angleterre. Là où ses espoirs se rejoignent, nous avons cause commune. Ces terres peuvent te paraître tenues par des Jarls inoffensifs et des Thane Balour, mais en y regardant de plus près, tu percevras une menace plus grave. La main invisible de l'Ordre est partout. Elle façonne toutes choses et insinue son poison dans chaque couche de la société. Du plus humble pêcheur au plus grand négociant, des Thane fortunés au roi sans pouvoir, l'Ordre a tout corrompu. Basim m'a confié une tâche ici. Identifier et éliminer les membres de l'Ordre des Anciens en Angleterre, où qu'ils puissent se cacher. Si nous coopérons dans ce but, cela nous profitera à tous les deux. Tu auras plus d'influence sur les royaumes d'Angleterre. Et toi, plus de médaillons à compter. Exactement. Tu devrais commencer par Lunden. Je dispose de rapports indiquant que l'Ordre entend s'emparer de la ville. Je vais aller en parler à Renvi. Et tant que tu y seras, cherche notre symbole. Il y a quelques siècles, ceux qu'on ne voit pas avaient des bureaux dans toute l'Angleterre. Il y en avait 6, je crois. Si tu les trouves, fouille-les à la recherche de documents portant le même symbole. Cela faciliterait grandement mes études. Je le ferai. Merci, Aïtan. D'accord. Pour tout cela. Ordre des Anciens. Ah ! L'Ordre des Anciens est une société secrète de païens ayant infiltré tous les échelons de la société afin de répandre sa vision
vision dogmatique du monde. Des indices éparpillés un peu partout vous aideront à les débusquer. Ouais, c'est l'indice que j'avais vu hein, dans le manoir ou le monastère de tout à l'heure. Zélotes. Les zélotes sont des mercenaires qui aident l'ordre et imposent ses édits. Hein, la sorte de mercenaires que je voyais traverser les régions. Les trouver, les éliminer fournira des indices, blablabla. Dévoiler, éliminer. Il est également possible de réunir des indices en nouant des alliances, d'accord. Bah oui. En explorant l'Angleterre et en aidant les gens dans le besoin. Bah justement, c'était ma quête précédente. Une fois tous les indices relatifs à un membre rassemblés, son identité est révélée, il devient possible de le traquer. Et j'imagine de l'éliminer. Hiérarchie de l'ordre. L'ordre dispose d'une hiérarchie. Assassiner un Palatinus ou un Proest ou Préost. Fournit des informations sur son chef. À terme, on parviendra à déterminer qui est le grand chef. Bon. Du coup, le tout premier que j'ai tué, c'est Kutvé. Donc si je vais sur la carte, je vois où il est, c'est ça? Ok. Oh, j'ai encore du ménage à faire du coup. C'est tous à droite ou... Non, il est à gauche, ok. J'ai un... Ok. Les indices que j'ai ramassés depuis tout à l'heure. Pas depuis le début. Ah! Veux-tu? Mais... Ok. Ok. Vaincu, ouais. Yes. Et donc, du coup, j'ai dû un noble... Ouais. C'est l'indice que j'ai dû ramasser tout à l'heure. Et les zélotes, ok. Non identifiés ? Ok, ils sont tous non identifiés. 4, 4, 4 et 3. Étrange. Ok, donc ça, ça respecte un peu le principe de la majorité des... Assassin's Creed. Ok. Et bien on va continuer les quêtes de cette zone quand même. Le quête numéro à l'ordre, bah, il va faire le ménage, j'imagine. Remettre les médailles de l'ordre. Ah, ça m'a fait. Remettre 6 pages de codex. Ok. Je dois partir. Alors, va en paix. Oh, oh, oh. La caméra a prié de rester sur le personnage. C'est plus loin. On a un port, j'imagine. Ah. Je n'ai jamais entendu parler de champion de la rivière. Je ne sais pas quoi en penser. Demande à Eivor si tu veux. Soniva, et toi, étranger, qu'est-ce qui t'amène ici? Vagn et son équipage se disent pilleurs de grands trésors. Ils aimeraient rejoindre Ravensthorpe. Nous ne demandons que travail et loyauté à ceux qui veulent nous rejoindre. Ni argent, ni or. Mais on ne refuserait pas pour autant. Ravi de te rencontrer, Eivor. Et Ravensthorpe y gagnerait bien plus que des métaux précieux. Nous n'avons pas grande allure, mais nous connaissons des lieux secrets des côtes d'Angleterre où nous pourrions trouver des choses qui rapporteraient gros à cette colonie. Tu veux nous en faire profiter? Pourquoi? Quand il y a trop de victuailles sur la table, on les partage avec des amis. Nous cherchons des amis avec qui festoyer. Laisse-moi te montrer. Je vais t'emmener mener une attaque dès que notre navire sera réparé. J'apprécie ta proposition. Et je l'accepte.
Alors, que penses-tu de nos quais ? Ah, vos quais sont dignes de notre navire. Quand tu seras prêt à partir, passe me voir. Je suis en train de débloquer 1 milliard de trucs. Alors, es-tu prêt à embarquer ? Attaque fluviale. Les attaques fluviales sont plus difficiles que les attaques ordinaires, mais permettent de trouver de nouveaux équipements, armes et ravitaillements étranges, afin d'améliorer votre halle de... ou votre navire d'attaque fluviale, ou d'acheter des schémas cosmétiques. Prudent cependant, si vous mourrez lors d'une attaque fluviale, vous perdez la totalité de la progression et des récompenses acquises durant cette attaque. Okay. Je suis prêt. Allons piller. Pour cette première attaque, nous utiliserons mon équipage. Et il sera plus facile de te montrer ce qu'il y a sur les berges. Par la suite, tu pourras faire appel à tes propres Jomsvikings. Les miens ont besoin de repos. Ça a planté ou ça a planté? Bon, j'ai du son, mais... ça pue quand même. Ce cours d'eau figure sur peu de cartes. Rares sont ceux qui savent y naviguer. Mais les Jomsvikings connaissent. D'après une vieille amie, des contrebandiers romains l'empruntaient à l'époque. Cela leur permettait d'agir. En fait, ce cours d'eau est si bien caché qu'il te permettrait d'attaquer tes voisins sans qu'ils sachent que c'était. Ça mérite d'y réfléchir. Regarde! Ouais, ok, ça me fait une mini-carte. Ils ne sont pas bien riches, mais ils sont utiles quand on a besoin de vivres pour l'équipage. Rappelle-toi que mon équipage est comme une meute de mouettes. Ils appliqueront tes ordres. Donne-les sans hésiter et vivre. Situation. Durant l'attaque, maintenez-le afin de ficher des informations utiles. Sur l'attaque et votre équipage. La jauge d'alerte fluviale indique le niveau des renforts ennemis dans les lieux d'attaque. Okay. Le compteur de cargaison indique le nombre de marchandises étrangères collectées et le taux de remplissage de la cale. Il est aussi possible de connaître la santé de chaque membre d'équipage et le nombre de rations dont chaque membre dispose. Mais où sont toutes ces barres? Ah, ouh. État des attaques. Alors 200 ressources maximum. Je vais t'ouvrir le crâne. Tu vas payer. Ah, il est déjà sur moi. Donne-moi un coup de main, Ivor! Bah oui, je veux bien. Gros coffre de ration. Le gros coffre de ration cœur vous rapporte une ration. À vous ainsi que chaque Jomsviking de votre équipage d'attaque fluviale. Un soin? Ah, ration, ok.
les Young Vikings emploient. Stimiland soutient la Graou Family depuis 2 mois. G-R-A-O-U-S-O-I-R. S-O-I-R, il n'y a même pas ce pouvoir, c'est S-O-I-R. Salut Stimmy et merci pour ton resub 2e mois déjà. Ah, t'as pas le petit loup. Ah oui, t'as les icônes VIP first. Je pense que c'est le dernier. Vous pouvez dépenser une de vos rations pour réanimer. Ah, je peux pas les réanimer à l'infini. Là, je me disais que c'était un peu trop facile. Prime. Ah, le Prime. Oh non, faut que tu mettes le petit loup. Allons, on a déjà passé trop de temps ici. Attaque menée à bien. Mais non, mais j'ai pas tout ramassé. Oh, tout ça, c'est l'attaque plutôt là en plus. Comment tu vas? Comment vas-tu? Ça va-t-il bien? Il y a encore un truc à ramasser, je vois pas. Je choisis pas. Ah bon. Bon, ça va. Ça va. Petite soirée sur Assassin's Creed. Regagner le navire. Ok, je suis obligé de repartir. Pourtant, il y a plein de loot. Bon, c'était l'attaque tuto de toute façon. Ah bon? Oh, c'est nul ça. Combat dans des tavernes. Reste quand même aux aguets. La fumée des incendies va alerter les campements en aval. Les combats vont devenir. Trouver et piller un coffre de ravitaillement étranger. Niveau d'alerte fluviale. Ah oui, c'est ce que je me posais. Comme question. Lorsque vous attaquez un lieu, la fumée des incendies alerte d'autres sites en amont. Logique. Ce qui remplit la jauge d'alerte. Au fil du remplissage de cette jauge, vous aurez affaire à davantage de renforts ennemis sur chaque site. Ok. Il est possible d'examiner la jauge d'alerte fluviale. Ok. Donc il faut que j'attaque le site suivant. Hissez la voile. Là, un campement militaire. Tu y trouveras du ravitaillement étranger et même de l'équipe. Même pas le temps de finir sa phrase, le genre d'attaque. Y'a quelqu'un? Non, je tire pas sur mes alliés, c'est tout. Je vais t'achever. Cette vermine n'a plus pour longtemps. Bon, on va faire les noyaux. Oh, mais comment il esquive lui? Mais. Bah tu as arrêté de sauter partout. Alors, c'est où qu'on peut ramasser des choses ici? Par des pièges. Il faut venir m'aider. Assistance. Ah. Le droit. Pousse-toi. Pousse-toi, mais viens m'aider à ouvrir le coffre. Quelqu'un peut m'aider? Coffre de marchandises étrangères. Je commence à reconnaître mes... Et merci pour le host, Stimmy. D'ailleurs, merci... Viens, t'en parais pas aussitôt? Ouais, il doit avoir un temps de rafraîchissement. Ah, oui, effectivement. Merci Stimmy, Pop-Up, RP, Crystal Gaming TV pour les hosts. Ça fait toujours plaisir. Alors, ces fameux coffres. Coffres de marchandises étrangères. On trouve des coffres de marchandises étrangères sur les sites militaires et dans les monastères. Ils peuvent contenir de l'équipement
Des armes et du ravitaillement étranger. Le ravitaillement étranger peut être dépensé à Ravenstorp pour bâtir et améliorer la halle des Jomsviking, améliorer le navire d'attaque fluviale ou se procurer des objets exotiques auprès de... Vagvani. Ça a l'air précieux. Je devrais le rapporter à la colonie. Alors je peux pas très bien le viking, alors je détruis un peu la langue. Bon, il est temps de regagner le navire. Attaque menée à bien. Bah j'imagine que... J'ai pas trop le choix. En fait. Attaque suivante est là. Hop. Ouais, t'es en train de crier tout seul dans un coin, toi. Ah! Il faut point sortir. Oulala! C'est quoi ça? Zone disponible. Ah, j'ai pas l'air de faire ce que je suis en train de faire. Ok. Ok. C'est vraiment que des attaques venant du fleuve, donc à chaque fois je suis obligé de repartir sur moi. Ah, barato. Quand même plus d'un prochain peu plus de... Calotte ? Ils vont TP ? Ouais, ils vont TP. Logique. Je te prenais pour un combattant, tu y restais à l'écart. Te réserve pour des batailles plus dures ? Je suis surtout capitaine aujourd'hui. C'est étonnant, non ? Un pillard qui ne pille pas. Après avoir passé des années à donner et recevoir des coups, on devient aussi raide qu'un chêne, alors mieux vaut rester à bord. Allez, viens. Ok, la carte a l'air plus grande que ce que je voyais. Ah, mais très important, qu'est-ce que c'est comme dessert ? Pas encore. Tu vas ouvrir le frigo et... Bref, avance. J'ai déjà mangé, ça me donnait faim. Attaque menée étrange. Attaque menée à bien, mais j'ai attaqué personne pour l'instant. Je suis pauvre, mais non. Tu es pauvre et tu me fais. Et tu t'abonnes ? Oh là là, c'est trop gentil. Je vais te tuer. Ah ! Mais. Il est parti où ? Il contrôle. Ah! Allez, rallume-toi! Ah! Plus de pile! Ah, non, c'est là. Ça va, c'est en mode facile là, parce que sans déconner. Ouh! Il est peut-être. Je paye en amour! Oh! Trop mignon! Ça rend pas compte! Comment tu payes pour nature. Pardon. Mais y'a un truc au-dessus? Je fais pas en compter.
Alors, bah, j'ai fini la zone aussi. Retourner au vaisseau. Au vaisseau. Vaisseau de l'espace. Est-ce que je le fleuve ? Bon, j'y vais. Toi, je ne sais pas, mais moi, je rentrerai bien à Ravenstand. Quand tu seras prêt, dis-le à l'équipage. Alors, retour à la colonie. Si vous désirez, si vous désirez rejoindre, regagner, oh putain, j'ai dit mal, la colonie, rejoignez le poste de commandement du navire d'attaque fluviale, puis maintenez bas et sélectionnez maison afin de quitter le cours d'eau actuel. Ok. Attaque fluviale effectuée, le fleuve exé. Point exé. Lieu attaqué 3, Yomzikin tombé 0, récompense 100. 100. Ravitaillement étranger. Je pense pas qu'il y a de quête, hormis la quête tuto à faire sur ça. Donc je pense que c'est le genre de choses que s'il y a du farming à faire, je le ferai hors stream. Pas trop d'intérêt de... Les Junkins qui tombent au combat regagneront par eux-mêmes la colonie pour s'y remettre. Ok, donc il n'y a pas de mort définitive. C'est bon à savoir. Ouais, bon, je suis un fou, j'ai ramené aussi le jus de pomme. Wouh! J'ai trouvé ça vivifiant. Et ça rapporte autant que je te l'avais dit, non? Crois-tu que nous ayons de quoi bâtir quelque chose? Quel genre de chose? Un endroit où nous pourrions nous installer. Une halle. Je n'ai pas envie d'ennuyer Aedis et les autres. Tu connais Aedis? J'ai entendu parler d'elle. Sa renommée de combattante et d'instructrice la précède. Je m'en voudrais de lui compliquer la vie. Je vois. Eh bien, on ne manque pas d'espace pour construire une halle, et avec assez de matériaux, on devrait pouvoir bâtir quelque chose. Ok.